Good morgen, allez, Iden et Chisra aujourd'hui, le Lounishmat, David Ben Fortuna Mazal Fitna, Lucienne Batmaina et Solvanish le Bet Tarab. Si vous souhaitez aussi aider une prochaine étude de Mishnah, contactez la 5 minutes éternelles. Nous étudions le Sechet Nazir, Perik Bet Mishnah Bet. Amar, Amra Parazo, Areni Nazira et Modet Ani. Amar Adelet Aze, Areni Nazirim Niftach Ani. Bet Shamay Omrim Nazir, ou Bet Yelel Omrim Eino Nazir, Amar Rabbi Yehuda Avcham, ou Bet Shamay, Lo Amruela Beomer Are Parazo Alay Korban, Im Omedet Ani. Une Mishnah qui se fonde sur la Mishnah précédente, et qui a une petite difficulté à comprendre la phrase bizarre que le monsieur qui va dire le Neder prononce. Mais vous connaissez ce type d'expression que. Quelqu'un qui s'énerve, qui dit, il n'arrive pas, je sais pas, à porter une charge, si je porte pas cette charge, je deviens un moine, je deviens un nazir. Si, ouais, ça existe déjà, je ne sais pas pourquoi ils disent des phrases aussi recherchées. Si jamais je fais pas ça, je suis une chèvre. C'est-à-dire quoi, tu vas devenir une chèvre, tu vas te mettre à quatre pas, tu vas faire, mais, je sais pas. En tout cas, c'est des expressions, bah, figurez-vous que c'est antique d'avoir des expressions aussi farfelues. En l'occurrence, là, on parle d'une scène. Je peux vous traduire la phrase, mais vous allez presque rien comprendre. Amar, il a dit, Amra Parazo, elle a dit, cette vache, je suis Areni Nézira, je suis une Nézira, il m'omédetani. Si jamais je me lève, je suis une Nézira. On parle de quoi en fait? On parle d'un bon paysan qui est là avec sa grosse vache, qui est couchée, il essaie de la tirer, elle ne veut pas se lever. Et du coup, le paysan, il nous dit, oh là là, elle a dit qu'elle va être. Elle s'imagine qu'elle va être Nézira. Si jamais elle va se lever, c'est pour ça qu'elle a pas envie de se lever, c'est pour ça qu'elle me tient tête, qu'elle a pas envie de se lever. Et de manière générale, donc en fait, la suite de la phrase, c'est de dire, ah bah tu sais quoi, elle croit qu'elle va être Nézira si elle va se lever. Moi, je deviens un Nazir si jamais je la lève pas. Voilà en deux mots la phrase farfelue que le monsieur a dit. Baruch HaShem, si vous avez compris, tant mieux pour vous. Quand j'étudiais cette Gemara, j'ai passé à peu près 40 minutes, 50 minutes à comprendre ces quelques mots qu'il avait écrits, j'arrivais pas à comprendre. D'ailleurs, je crois que j'avais même ouvert le Barthénora qui explique ça de manière très propre et très simple. Dans la Gemara, c'est dur à comprendre, quoi. Alors, en tout cas, vous avez compris l'idée? En fait, en deux mots, il y a une vache qui lui tient tête, elle veut pas se lever. Lui, il fait de la psychologie animale. Et donc, il dit, ah! Elle croit qu'elle a juré qu'elle va être une Nézira si jamais elle se lève. Elle va voir de quel bois je me chauffe. Et moi, je deviens Nazir si je ne la lève pas. Et ce qui se passe, c'est qu'à peine il finit sa phrase, il s'apprête à prendre la laisse pour qu'elle se lève. Et la vache, elle se lève toute seule. Waouh! Bon, je crois que j'ai tout fait à l'oral. Et puis après, on va expliquer après ce qui se passe. Vous avez compris la scène? En deux mots, il y a une vache qui me tient en tête. Et j'ai dit, maintenant on peut dire de manière directe. Je dis, si jamais je la lève pas, je suis un nazir. Et j'ai pas le temps de m'occuper pour la lever qu'elle se lève toute seule. Est-ce que je deviens un nazir? Alors j'ai dit, si je ne la lève pas, je deviens un nazir. Or, je ne l'ai pas levée, elle s'est levée toute seule. Est-ce que je deviens un nazir de la sorte? Alors sur ça, de manière générale, je vous jette déjà le premier élément. Beth Shammai va me dire, ouais, t'es un nazir. Parce que tu t'es dit que si jamais tu ne la lèves pas, tu deviens nazir. Et tu ne l'as pas levée, elle s'est levée toute seule, tu deviens nazir. Sur ça, pour le moment, il y aura une marquette, en fait, en réalité, sur ça, que Beth Hillel, il va me dire, non, Beth Hillel, il va dire, t'es pas nazir, ton intention, c'était pas si tu ne la lèves pas, mais c'est si elle ne se lève pas, même c'était dit, si elle, c'est la même chose. On va selon ton intention pour arrondir un petit peu les angles. C'est un premier élément. Un deuxième élément important qu'il faut rajouter aussi sur ça, c'est qu'en réalité, il n'a pas dit que moi, je vais devenir nazir si je ne la lève pas, mais en fait, je me suis dit que moi, je vais devenir nazir de cette vache si je ne la lève pas. Genre, je vais m'interdire de ne... Je vais être un nazir qui ne va plus manger cette vache si je ne la lève pas. Si jamais je ne réussis pas à la lever, je ne profite plus de cette vache. En deux mots. Je ne profite plus de cette vache, mais en expliquant que je deviens un nazir de cette vache. Et là, ça nous rapporte à la Mishnah précédente. On a vu qu'est-ce qui se passe, quelqu'un qui prononce de devenir nazir d'une figue. Est-ce qu'il va devenir nazir du vin ou il aura le droit de... Parce que sa phrase, elle est insensée. Et sur ça, on va voir de nouveau la marque de Beth Shammai ou Beth Hillel. Vous avez compris déjà l'idée? Donc en deux mots, maintenant, j'essaie de résumer ça très rapidement sur la première partie de la Mishnah. Après, la deuxième phrase sur l'histoire de la porte, ce sera le même principe. Une fois qu'on a expliqué tout ça à l'oral, on va commencer à lire la première moitié de la Mishnah, après on reviendra sur Rabbi Yehuda.
En deux mots, on a une vache, une grosse vache qui ne veut pas se bouger. Et que d'une phrase un petit peu farfelue, je me suis dit, si jamais je ne la lève pas cette vache, je deviens nazir de cette vache. Quand dire je deviens nazir de cette vache, ça veut dire que je deviens un nazir qui ne va plus manger cette vache. Or le nazir, il n'a aucun interdit de ne pas manger de la viande. Donc c'est quoi ton histoire de devenir nazir de ne pas manger une vache? Sur ça, regardez tout ce qu'ils doivent penser Beit Shammai pour pouvoir affirmer pour pouvoir trouver un issour dans cette histoire. Beit Shammai va me dire, écoute, moi, cher ami, quand tu as dit, si je ne la lève pas, ça signifie que si jamais tu ne la lèves pas, mais qu'elle se lève toute seule, tu deviens nazir de la vache. Être nazir de la vache, Beit Shammai va nous dire, en réalité, tu ne peux pas être nazir d'une vache, tu peux être nazir du vin, mais pas d'une vache. Et bien, ton intention, elle était de devenir nazir, parce que comme la Mishnah précédente, on l'a pris, donc tu as voulu réellement de devenir nazir, et dans ce cas-là, tu es impliqué par engagé par les lois de Nézirut. Et tu deviens un vrai nazir. Et sur ça, Beit Hillel, il va nous dire, moi j'ai deux bonnes raisons pourquoi je discute sur toi. Premièrement, comme dans la Mishnah précédente, dire nazir de ne pas manger d'une figue, donc tu n'es même pas un nazir pour rien, ni pour la figue, ni pour le raisin. En l'occurrence, là, tu n'es pas devenu un nazir pour la vache. Donc ta phrase, elle est nulle et non avenue. Mais mieux que ça encore, j'ai mieux à te dire, même quand tu m'as dit, si je ne la lève pas, ton intention c'est pas mettre toute l'exergue sur le mot je, si elle ne se lève pas, si elle va se coucher, donc si elle s'est levée d'elle-même, eh ben tu seras de toute façon pas nazir, ça c'est la vie de Beit Shammai. Et de Beit Hillel, d'accord? Ça c'est la première requête. Et sur ça on a même une phrase supplémentaire, c'est qu'en réalité il a envie de fermer une porte, mais la porte elle fait que de bloquer. Il a dit, même principe, en deux mots, il a dit, je suis nazir de cette porte, je profite plus de cette porte si jamais je ne réussis pas à la fermer. Comment il a exprimé sa phrase? C'est de nouveau avec son expression super farfelue à l'ami. C'est qu'elle a dit à cette porte, elle a dit qu'elle va devenir nazira si je ne vais pas réussir à la fermer. Moi, je vais être encore plus têtu qu'elle et je vais lui montrer comment je vais réussir à la fermer. Mais si je ne la ferme pas, je deviens nazir. Et là, il s'apprête à partir prendre la porte pour la fermer. Et d'un coup, un petit coup d'eau qui vient. Flouk, et la porte, elle claque. Et elle se bouge et elle se ferme. Donc du coup, est-ce qu'elle est devenue nazir, Mme Machloket? Selon Beit Shammai, oui, parce que tu as dit, si je ne la ferme pas, or elle s'est fermée toute seule. Et d'après Beit Hillel, tu ne seras pas nazir, parce que ton intention, elle était juste si elle ne va pas se fermer, or elle s'est fermée, donc tu n'es pas devenu nazir. Ok, on fait déjà cette première partie dans les mots, j'espère que c'était assez clair. Amar, il a dit, ouais, le fameux paysan qui s'imagine à parler à la place de la vache, et donc qui va s'interdire une nazirut à sa place en disant, Amra parazo, elle prétend cette para que un reni nazir imomed et ani, elle va être nazira si elle va se lever. Moi je vais lui montrer que je suis encore plus têtu qu'elle et plus fort qu'elle et qu'elle va se lever parce que si je ne la lève pas, je deviendrai moi-même nazir. D'accord? Idem aussi avec la phrase Amar adeletazé. Il a dit, ou bien il a dit, Amar adeletazé, cette porte, elle a dit, un reni nazir im niftach ani. Elle croit qu'elle va devenir nazir si elle va s'ouvrir, c'est pour ça qu'elle veut pas, qu'elle veut rester, on parle d'une porte en fait qui est fermée, qui ne veut pas s'ouvrir. Elle a dit qu'elle va devenir nazir si elle ne va pas s'ouvrir. Moi, je t'assure que si jamais je ne l'ouvre pas, je serai moi le nazir à sa place, et d'un coup, la porte s'ouvre toute seule. Beit Shammai Omrim, Beit Shammai nous dit, ben écoute l'ami, nazir, t'es devenu nazir, parce que t'as dit que tu seras nazir, même si t'as dit que tu seras nazir de la vache ou nazir de la porte, ton intention c'est d'être un vrai nazir. Et ton histoire de la porte de la vache, c'est juste pour une phrase qui n'a pas de sens, mais en tout cas, aide Adam aussi de voir le Vatala, ta phrase que tu as dit, de devenir nazir, on met le maximum d'intensité, on la retient, tu t'interdis la vache, tu t'interdis la porte. Ou Beit Hillel Omrim, et non nazir, selon Beit Hillel, il me dit non, et non nazir, il n'est pas devenu nazir avec sa phrase farfelue, pour plusieurs raisons. Parce que d'abord, si tu dis que tu es nazir d'une vache, tu n'es pas du tout nazir, et même mieux que ça, lorsque tu as dit que si. Je ne la lève pas, ton intention n'est pas si sur le je, mais c'est si elle ne se lève pas, ou si la porte ne va pas s'ouvrir. Amar Abiyuda, sur ça, il va nous dire Abiyuda, il va nous rectifier, comme dans la Mishnah précédente exactement, je le dis d'abord à l'oral, comme ça ira plus vite ensuite, que Beit Shammai, lorsque tu prononces un éder de ne pas, d'être un nazir des figues, ou d'être un nazir d'une vache, ou d'être un nazir d'une porte, ton intention, c'est pas de devenir une nésiroute intègre, et le mot de la vache, ou des figues, et tout ça, c'est juste des mots pour rien. Mais concrètement, tu seras nazir. Non, ça ne marche pas comme ça. Mais ton intention, elle était de prononcer le mot nazir à la place de neder. Et en fait, tu as interdit la vache, les figues ou la porte, mais il chot nedarim. Tu n'auras pas le droit de tirer profit de concrètement, selon Beit Shammai.
C'est ce qu'il nous dit, c'est cette petite rectification de Rabbi Yehuda uniquement. Amar Rabbi Yehuda, il est venu Rabbi Yehuda, il nous dit, attention, Af Kshamru Bet Shamay, même lorsqu'ils ont prétendu Bet Shamay qui sera interdit par quelque chose. Tu sais de quoi il sera interdit? Lo Amru Ela Beomer, ils n'ont interdit que lorsqu'il dit, Reparazo Alay Korban, je m'interdis cette vache pour moi, comme si qu'elle était un Korban, je m'interdis Bilchot Nezirut, que Bilchot Neder, pas Bilchot Nezirut, Bilchot Nedarim, elle sera pour moi comme un Korban, Im Omedatei, si jamais elle se lève. Et dans ce cas-là, on aura donc, comme précédemment, la marloquette que si jamais elle se lève d'elle-même, selon Bet Shammai, tu l'interdis Bilchot Neder, parce que ton unique moyen de fuir le Neder, c'est que tu la lèves toi, on la laisse toute seule, et selon Bet Hillel, la vache sera permise entièrement. D'accord? Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov.